Hop là, salut, c'est Chris, on est sur Astro. Bon, vous avez déjà sans doute utilisé une installation vraiment mal foutue. Et je parle bien sûr de ce qu'on peut trouver dans nos maisons. Et bien justement, on va découvrir la crème de la crème avec les erreurs les plus frustrantes, voire même les plus dangereuses. Donc c'est parti pour les pires fails de design d'intérieur. Bon, qu'est-ce qui va pas là? Bon, on a un robinet, tranquillou. Ah ouais, d'accord. J'avoue que... attends, peut-être parce qu'il a appuyé trop fort. C'est juste, il faut être plus doux. Il a pas tort. Ah, c'est bizarre. Pourtant, on peut pas le mettre à l'envers, en fait. Il a été bien monté. Je m'interroge dans quel cas, en fait, ce robinet-là, il pourrait marcher sans que l'eau elle te gicle à la gueule, quoi. Alors, comment faire pour que ça marche mieux? Peut-être déjà en évitant qu'il y ait trop de flux d'eau, parce que plus il y a du débit, plus ça va balancer fort. Si on réduit ça, bah, ça va juste couler un petit peu comme une chute d'eau. Ou alors changer de robinet, hein, tout simplement. Mais il y a un autre type d'évier, hein, où ça va pas. Regardez-moi ça. Oh putain, ouais, bah, y a un problème, juste c'est un bouton. Il faut appuyer sur un bouton. Pas vraiment, non. Ah, il faut tirer. Oh, j'avoue, j'ai jamais vu ça, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu un robinet comme ça? Super étrange, quoi. Ah, là, faut tout changer, hein, du coup. Au moins, l'eau, elle gicle pas dans ta tronche. I wanted to open the dishwasher to see what was in there. But you can't open the dishwasher because the oven door is in the way. Oui, bon, après, ça fait y passer avant, en vrai. So I open the oven door. And you can open the dishwasher. Oh, la galère. Ah oui, du coup, il doit faire tout le temps ça, en fait, quand il sort l'évier. Ah ouais, putain, mais ça va pas. Oh là là, ouais, c'est vraiment pas pratique, hein. C'est le foutoir. I said, oh, let me check this drawer. Putain, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Bon, d'accord. So you have to open the oven. You must open the dishwasher. Ouais, bon, du coup, là, honnêtement, il faut tout refaire, quoi. C'est... Attendez, si ça vous plaît, regardez-moi celui-là, alors. On peut tirer? Non plus. Quelle déception. Pensez-y quand vous avez une cuisine de ce style. Alors là, petit contexte avant de commencer la vidéo, c'est une émission de télé qui rénove et qui décore des maisons, hein. Comme Déco à l'époque en France, hein, avec Valérie Damido. Et ça, c'est le petit moment malaisant où le couple découvre la nouvelle chambre avec la nouvelle déco. Ah, ça va être génial. Ça vous plaît, alors? Hein, c'est pas mal, hein? Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais. Le mari, il fait, oh putain... J'avoue, le papier peint, c'est vraiment pas c'est... Ouah, c'est laid! Il est vraiment habillé comme un plombier, en plus, hein, lui. Je pense que les plombiers, c'est pas eux qui vont vouloir avoir une déco la plus chargée ou la plus fantaisiste. Parce que là, on a quand même un lustre au plafond, quoi. Comme il dit, ça ressemble un peu à une chambre pour enfants, genre une aire de jeu. Ah, mais c'est pas une chambre pour enfants? Non, c'est la chambre des parents, là. Ah, c'était la chambre des parents? Ah, parce que moi, je me disais, pour un enfant, ouais, bof, mais... Ah oui, c'est les parents qui dorment là. C'est de la merde! C'est n'importe quoi. Bon, bah, on vous laisse les clés, hein. À bientôt, quoi. Allez, salut, quoi. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Il y a une meuf qui a un peu picolé. Quoi? Oh! Aïe aïe aïe! Ah oui, bah du coup là, elle tentera pas. Alors, en même temps, elle peut mettre la main pour rentrer dans la maison. Double fake du coup, ouais. Exactement, ouais, 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 ouais. Il a peut-être cassé un petit os, quoi. Bon, manifestement, c'est vrai que ça a pas l'air d'être la première fois. Solution du coup, c'est de mettre un caisson sur la porte, hein. Puis le problème sera quand même un peu résolu. C'est vrai que c'est bizarre parce que si tu peux mettre la main déjà dans la boîte aux lettres, tu peux soulever le clapet et voir les gens à l'intérieur. Tu pourrais même leur tirer dessus si tu voulais t'amuser. Drôle de jeu, mais bon, après, voilà. Après, moi, je pense qu'on était un peu... On est en Amérique, quoi. Ça peut peut-être vous intéresser, mais sur les boîtes aux lettres, il y a les cambrioleurs qui peuvent laisser des signes. Souvent, c'est à la craie, du coup. Et typiquement, vous voyez là, en fait, s'il y a une croix sur votre boîte aux lettres, ça voudrait dire qu'il y a un projet de cambriolage. S'il y a des petits ronds, ce serait un projet d'argent. Là, s'il y a une croix avec un rond, c'est qu'il n'y a rien d'intéressant dedans. Ou alors, s'il y a des barres, c'est que c'est déjà cambriolé, il y a une alarme. Si vous avez déjà vu ça, faites gaffe, quoi. Bon. Là, en fait, ça va souffler de l'air et comme c'est vraiment positionné sous la poubelle, ça va balancer à l'extérieur. Et là, ça retombe. C'est dingue quand même. Je sais pas du coup quand il installe, s'il teste la machine pour se dire si elle fonctionne, ils doivent le faire. Mais à ce moment-là, la poubelle, elle doit être vide, donc ils doivent pas avoir de problème. Ils se disent, bon, oh, c'est bizarre, mais bon, ça va passer. C'est une idée de merde. Et vous le saviez. D'ailleurs, la poubelle, on a l'impression qu'elle est ouverte là, parce que du coup, on voit le sac derrière. Ouais, du coup, la poubelle n'est même pas bien positionnée. Non, c'est n'importe quoi. Attends, déjà, il y a un robinet d'eau chaude et d'eau froide. Putain, mais ça va pas, hein. Et puis, il y a un sèche-main juste au-dessus. Ils l'ont fait exprès, quoi. Je suis mesquin. Ouais, ouais, en plus, tu vas avoir vraiment de l'eau brûlante et de l'eau glacée, quoi, en fait. Et du coup, il y a marqué, s'il vous plaît, faites attention à l'activation du sèche-main, parce que l'eau brûlante peut faire des splatchs avec une certaine violence, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, ils ont mis un panneau, mais ils n'ont pas changé le propre. Pour l'instant, ça semble aller. Ah non, du coup, ça va pas du tout. Ah oui, il y a le sèche-main, mais à cause de la forme, en fait, de l'évier, ça fait une jolie arche, hein, qui propulse tout. Si t'as un évier arrondi, ça peut marcher, mais là, comme l'évier, il est plat et fermé, peut-être ça fout un bazar. Putain, j'imaginais pas qu'il puisse y avoir une science des éviers, quoi, à ce point-là.
ok, toilette publique, c'est un camping. Mais qu'est-ce que c'est en haut? C'est un miroir. Ah, du coup, c'est la réflexion, en fait, qu'on voit des chiottes. On voit parfaitement, en fait, du coup, la personne qui serait occupée, quoi. D'ailleurs, c'est bien dommage qu'on voit pas la personne en question. Ce serait quand même marrant, ouais. Donc, t'es un mec bizarre, toi. Alors, il y a d'autres problèmes aussi dans les toilettes publiques, c'est que parfois, les portes sont un peu courtes. Enfin, vous voyez, elles sont hautes, en l'occurrence. Ouais, bon, en vrai, ça m'est déjà arrivé de voir ça. Après, le gamin, il est pas censé passer là où t'es en train de faire... Ah ouais, du coup, c'est un peu déstabilisant. Moi, je suis curieux. Bon, il essaye quand même de bien faire, mais il s'est dit, tiens, c'est rigolo. Mais pourquoi avoir fait des portes un peu aussi surélevées, en fait? Ce serait quoi l'intérêt? Après, peut-être pour passer les balais quand tu nettoies, mais je sais pas, je vois vraiment pas l'utilité. Ouais. Super bizarre, quand même. Toilette transparent. Oh, j'ai jamais vu ça. C'est sympa en transparent. Enfin, c'est... Ouais. Moi, je l'aurais tenté, ouais. Moi, j'aime bien voir les mécanismes. C'est un peu le même principe que dans les montres, tu vois. Et là, en l'occurrence, tu dois avoir... Bah, ça doit être en plexiglas, hein, j'imagine. Le truc, c'est qu'un WC transparent, c'est un peu bizarre parce que t'as peut-être pas envie de voir justement ce qu'il y a au fond. Bah, avec le tartre, le calcaire et tout, bah, ça va vite, en fait, se teinter. Bah, ça sera plus transparent, quoi. C'est logique. Alors, on peut pas acheter maintenant l'ensemble, du coup, en transparent, mais apparemment, on peut choper la cuve pour à peu près 40 balles sur Internet, si ça vous intéresse de voir l'eau qui se vide, qui se remplit. Dans un cas un peu plus intéressant, ben j'ai trouvé un life hack. Vous pouvez acheter pour à peine 50 balles un petit embout que vous allez fixer sur vos toilettes et que vous allez relier à l'arrivée d'eau, donc super rapide à installer. Et ça fait que en tournant une petite manivelle, ça va vous laver bah, du coup directement l'anus. Et ça, bah, c'est super propre, un petit peu comme les toilettes japonaises, vous voyez. Vous allez utiliser beaucoup moins de papier, ça va être plus hygiénique, ça va vous faire gagner du temps, puisque au moment où vous lavez, bah, vous pouvez continuer à être sur votre téléphone ou à bouquiner. Je l'ai testé chez des potes, et là du coup je vais en acheter un pour chez moi. Alors là, faut être bien attentif, ça va être un peu plus long. Regardez quel est le souci là. Bon, au-delà du papier peint, bien sûr, hein. Oh, ok, une porte en verre. Bon, la douche. Quoi? C'est une chambre à côté? Je ne comprends pas. Ah, mais il y a un store, du coup, qui permet de descendre. Et on peut pas descendre plus que ça. Et là, comment on descend? Il y a un store aussi. Bon, c'est conceptuel, hein, quand même. Bon, après, Ouais, je pense qu'ils auraient dû faire des vitres fumées, vous savez, du coup, qui font du flou, en fait. Et là, c'est le problème aurait été réglé et ils auraient conservé l'aspect lumineux, quoi. En tout cas, il y a une théorie sur les gens qui parlaient en commentaire, c'est que l'hôtel, derrière, a un type de clientèle bien spécifique. Quelle clientèle? Ça sera à vous de débattre en commentaire. Alors là, pour cette nouvelle vidéo, là, il y a un petit contexte, c'est une vieille émission de télé de rénovation d'intérieur. Et là, bah, les designers, du coup, ont proposé une étagère suspendue pour mettre en valeur une collection quand même assez précieuse de théières. Et donc, voici le résultat après 2 jours de travail. Bon, les câbles n'ont pas tenu, quoi, c'est ça? Ouais. Bah, du coup, les théières, c'est foutu. Bah, le problème, c'est que de toute façon, c'était pas malin tout court, parce que quand bien même, ça aurait tenu au plafond, comme le fait que ce soit instable, c'est censé séparer 2 pièces, mais si tu tapes dedans, en fait, ça va bousculer, et puis ça va se péter la gueule, quoi. Du coup, pourquoi ça s'est effondré? C'est à cause du poids des bouquins. Ils les ont posés pour stabiliser, mais, bah, du coup, ça a rajouté trop de poids, et donc, du coup, ça a arraché les câbles, et voilà. Alors, ouais, mais je comprends pas, du coup, qu'est-ce qui va pas. Que bah ouais, c'est le carrelage qui a un peu de travers, quoi. Du coup, c'est ça en fait, c'est exact. Ah oui, bon, écoute, c'est un peu de travers, ouais, c'est spécial. Moi, je me demande juste qu'en fait, quand tu vas tirer le rideau de douche, comme du coup, le truc est incliné, ça va avoir tendance à glisser et à retomber. Ouais, c'est pas faux. Si tu pisses et t'es debout, donc tu vois le truc de côté. Chez certains, ça fait bizarre, et chez d'autres, en vrai, ça passe. Je sais pas si vous, du coup, c'est passé alors. Pas quel est son souci à celui-là. Et une lumière, ok. Apparemment, c'est des problèmes d'électricité. Ok, il branche un sèche-cheveux, là, ouais. Ok, là, il allume et les lumières se mettent à clignoter. Ah putain, en fait, il contrôle la lumière avec le sèche-cheveux. What? Alors, essayons de comprendre. En fait, maintenant, il se trouve que 2 interrupteurs allument la même lampe. Pas de problème, ça arrive dans plein d'appart. Par contre, s'il utilise l'autre interrupteur, sur les 2, bah, ça va pas éteindre la lampe, ce qui normalement serait logique, mais ça augmente la luminosité. Et s'il fait ça, bah, il peut plus l'éteindre avec le premier interrupteur. Et donc, le sèche-cheveux, bah, ça fait que tu contrôles la luminosité. Ça n'a pas de sens. Bon, du coup, en vrai, c'est vraiment pas sécurisé, parce que ça veut dire que le sèche-cheveux conduit le courant, et s'il était en métal, bah, le gars aurait été électrocuté. Ok, petite bouteille. Oula, oh là là, ça c'est casse-couille en fait quand t'as ta maison, enfin surtout ta cuisine, t'as payé peut-être 5000 balles et puis tu te retrouves avec ça. Oh, y a trop de placards là, oh là là, n'importe quoi, mais y a rien qui va quoi. C'est la catastrophe. Bah le gars il va retirer le néon, hein, je pense, c'est pas la cuisine qui va retirer.
Escalier, très sympa. Ouais, bon, tu peux pas monter. Hein. Enfin, tu montes, mais tu passes entre les barreaux. Bon, déjà, il manque les marches, hein, mais c'est un détail, j'ai l'impression. Là. Je pense qu'en fait, ils sont trempés d'angle. Il y a le bas qui devait être sur la droite plutôt que sur la gauche. Quoi. Je propose, hein, je propose. Après, je sais pas. Hein. Peut-être que ça irait pas. Hein, voilà. C'est bizarre, quoi, quand même. Mais est-ce que ça fait que les ouvriers sont basés sur un plan, mais à aucun moment ils se sont dit ouais, il y a un pépin. Oh oui, oh. Mais il n'y a pas un chef de travaux qui est passé à un moment? Peut-être que le travail n'est pas terminé, hein. Il y a une œuvre artistique derrière, après c'est possible. Alors là, on est face à ce qu'on appellerait un mobilier en mousse. Alors littéralement en mousse, hein. Je comprends pas, attendez, c'est quoi? Mais on met quoi dedans en fait dans un mobilier en mousse? Donc là, il se pète la gueule en fait le truc. C'est censé accueillir quel genre de choses? Je sais pas. Bon, pour la petite histoire en fait, c'est censé être une œuvre d'art à la base, une étagère en mousse. Hein. Après, il s'est dit putain, c'est quand même super beau, mais en plus c'est pratique donc faut que les gens ils l'utilisent. Apparemment, c'est pas cher et ça résiste au tremblement de terre. Le problème, c'est que ça résiste pas au poids des objets, ce qui est quand même un peu con. Voilà, résultat des courses, ça n'a jamais été commercialisé. Oh, c'est con ça! Ça ressemble vraiment à rien du tout. C'est particulier. En plus, ça prend de la place. Hein. C'est vraiment pas ouf. Hein. Quel est le problème avec cette maison là? Ok. Ah. Eh ben mon vieux. Ouais, les portes, c'est un grand dada. Hein. C'est vraiment. On s'en lassera jamais, j'ai l'impression. Faut se dire que. Ah ouais, mais il aurait dû poser la porte avant. Le truc, c'est qu'on n'aurait pas pu ouvrir en fait l'intérieur. Je m'interroge vraiment si quel genre de personne du coup peut faire des erreurs pareilles. Est-ce que ça a été fait du coup juste par des amateurs directement? Parce que l'architecte il connaît ça quoi, c'est le premier mois que tu vois ça du coup quand tu fais tes études, je sais pas. Ouais. Pour les autres portes, effectivement, si on les posait dans l'autre sens, ça aurait pu passer, mais ça aurait été vraiment pas pratique. Parce que, enfin, si on devait l'ouvrir de l'intérieur, en fait, ça fait que tu te serais pris la porte quand t'es en train de chier ou que t'es en train de te laver les mains. Après, tu peux la mettre sinon une ouverture vers l'extérieur, et là, ça aurait été faisable. Mais il aurait fallu inverser tout. J'ai envie de dire que là, de toute façon, faut tout refaire. Hein, donc, bon. Bah voilà pour ces fails d'intérieur, ça laisse un peu réfléchir parce qu'on se dit putain, comment c'est possible d'avoir des erreurs pareilles. Après ça doit être extrêmement rare aussi, j'ai envie de dire. Moi par exemple j'avais bossé du coup avec des architectes pour chez moi en fait qui devaient faire le sol, poser une verrière, ce genre de choses, et il y avait des pépins de tous les côtés, ça m'avait saoulé, ça a duré 3 plombes pour discuter avec eux et eux ils voulaient juste réclamer leur thune à la fin, c'était vraiment pas pro, mais c'était pas le même niveau de bordel que ce qu'on a vu là quand même. J'espère que ça vous a plu, en tout cas on se retrouve pour une prochaine vidéo et bye bye, à bientôt.